Elle nous est présentée par le Haras des Preux. On va éloigner la mer, s'il te plaît, pour qu'on puisse mieux apprécier la pouliche qui... voilà. Le numéro. 67. On rappelle le numéro, c'est le 67. Elle s'appelle Epitra. Ah, c'est une fille de American Post. On adore American Post. On continue d'adorer même après sa mort. C'est donc un amour posthume. American Post avec une mère par Tay Chris que la grand-mère par Mr. Cecil a encore une souche de plat. Bien que Tay Chris fût un cheval polyvalent, il avait donné naissance notamment à un vainqueur du Grand Cross de Pau. American Post a fait quelques sauteurs, bien que c'est évidemment sur le plat qu'on a pu beaucoup plus apprécier sa production, dominée par Robin of Navan, Amina, mais également une foultitude de bons chevaux qui ont fait que l'an dernier, American Post a terminé deuxième du classement français des étalons de plat. Tout de même. Et il est mort, malheureusement, après quelques mois de saillie preux, mais il a eu le temps de concevoir cette épître, née le 24 février, le numéro 67. Tandis qu'on libère désormais le Literato qui est sur le ring 80, le ring des mâles, le 89.